Nadine Pierre pour BeautéHaïtien.com. Je suis en direct de la station de la radio CKUT pour l'émission Samedi Midi Inter, animée depuis 28 ans par Raymond Laurent, un vétéran de la communauté, quelqu'un qui est là pour servir, qui est toujours prêt à aider, qui informe, qui propage, je peux dire, l'évangile, mais de la communication auprès de notre communauté. En Haïti, à Montréal, États-Unis, partout où il est, il nous informe toujours. Il a de très bonnes surprises pour nous. Non seulement, il va parler nous de ça qu'il va le faire le 12 novembre, et une très belle surprise que il a gagnée. Je vais dire nous qui ça a pour nous. Salut Raymond. Bonsoir Nadine et bonsoir Edner. Et je vais saluer toute l'équipe de BeautéHaïtien.com. C'est un plaisir pour nous recevoir nous dans le studio CKUT. Et j'en saute dit là, le 12 novembre 2016, là, nous pourrons gagner notre gala annuel. Et nous connaissons que là, nous gagnons gala, ce n'est pas comme les autres. Hein? C'est toujours avec un pile et prestige que nous recevons invités. Nous recevons comme des rois, comme des reines, et avec un pile invités d'honneur et des artistes de talent également. Alors, et l'année dernière, nous étions dans le château classique. Année ça, nous avons retourné dans la même place. Faut qu'on dise, nous préparer non seulement un bon souper, mais un bon spectacle encore avec des artistes de talent. Nous sommes capables de parler de Daniel Guillaume, de Anna Metellus, la fille de Daniel Guillaume. Nous avons gagné Junior Sander capable avec nous. Et nous avons gagné Mario et Mario également. Et c'est un jeune artiste et que nous découvrons. Et sans compter, en fait, la troupe Mapouguinet. Et tous les gros artistes que nous avons gagnés. Et parmi les invités d'honneur, et nous sommes capables de parler du ministre de l'Environnement, M. David Hertel, député de la circonscription de Viau. Et sans compter, il y a un paquet d'autres qui est déjà confirmé. Alors, dans la soirée, nous avons une possibilité pour nous rencontrer. Et nous avons remercié également un paquet de supporters comme les associations communautaires et CAPLA. Et il faut que nous avons déjà réservé la soirée. Et nous avons dit merci. Et puis, c'est pour une rencontre de famille comme à l'accoutumée, Nadine. C'est bien. Est-ce que, combien de monde va pas attendre comme ça, Raymond? L'année dernière, nous avons fait ça le comble et nous espérons que l'année ça n'a pas gagné autant de monde que l'année dernière. Les billets sont en vente partout. Il y a dehors depuis quelques temps. Nous avons joué dans Michel Studio, nous avons joué dans Cascade Lisse à Montréal-Nord et nous avons gagné également un restaurant sur le Palmier qui est dans Ville-la-Salle. Et si il y a des gens qui veulent plus d'informations, ils sont capables de toujours aller nous dans 514-963-4625. Et nous avons Michel Studio tout, eh bien, qui baille en pile avantage l'eau à l'achat de billets à Kaeli. Est-ce que vous êtes capable de rappeler l'adresse pour les gens qui prennent le temps d'eau? Alors, l'adresse, le château classique, c'est 70 boulevard des Grandes Prairies. Alors, c'est 6010. 6010, c'est là que nous pied. Et c'est une très belle salle. Et Mounio a enjoyé les arrivées dans la salle. Et nous sommes capables de témoins de ça, parce qu'à chaque année nous participer, nous pensons que non seulement nous pouvons joindre beaucoup de bon, mais nous avons contribué. C'est un moyen pour capable de dire à Raymond que nous avons. Nous avons venu en grand nombre et nous croyons que c'est un événement qui a une belle réussite, parce que c'est toujours comme ça chaque année. Alors là, nous avons d'autres questions pour Raymond. Parce que nous croyons une belle surprise. Hein? Nous avons dit un clin d'œil, un coucou qui fait à nous-mêmes. Il y a un monde qui respecte dans la communauté, hein? Qui implique, qui fait un pile bagaille, qui l'a pour le monde. Parce que je suis témoin de ça, même en Haïti, on a supporté. Parce que je suis un monde qui a supporté autour, hein? Pas vrai? Alors, dis-nous, nous croyons que une surprise qui pourra le faire le 22 octobre. Monde qui pas connaît, il y a pas de surprises liées. C'est parce que Raymond Laurent choisit comme monde pour l'honorer
qui pral gen prix Mathieu Dacosta. Expliquez pour moun ki pa konnen qui ça prix ça y est, expliquez nous qui ça lié et ensuite nous capable ou capable dire l'autre bagarre encore t'a souhaité. Alors faut que moi dire donc prix Mathieu Dacosta c'est un prix nous t'a capable dire d'excellence et là nous connaît qui est ce monde Mathieu Dacosta teye. C'est un grand personnage. C'est lui-même qui est rentré ici avec un Samuel de Champlain dans les années 1600. Alors, le moins te recevoir un coup de fil de Dan Philippe, président de la Ligue des Noirs du Québec, pour le dire mon frère, Ligue des Noirs du Québec, pour l'honorer, pour le baou, prix Mathieu Dacosta. Alors, faut que moi dise que c'était une très grande surprise. Et il est important pour me dire que moi pas pour compte moi qu'après le recevoir prix ça. C'est comme bagay longtemps gagné plusieurs compatriotes non qui ont été honorés et qui t'ont recevoir en fait une plaque et parmi eux qui est Hippolyte, Célita Toussaint et juge l'ancienne juge Juanita Westmoreland et Daniel Metellus actuellement juge également et bien fois ça hein, et prix Mathieu Dacosta gagne nous 5 qui va le recevoir. Gagne un médecin, gagne un professeur dans CGP Rosemont, votre serviteur Raymond Laurent et gagne également Marjorie Villefranche, directrice Maison d'Haïti et gagne un autre membre que je ne me rappelle pas le nom. Alors faut que moi dis nous que c'est pas nous qui mandé. C'est yo toujours dit mérité pas mandé. Alors c'est bon ou bon, c'est pas la première fois que nous avons reçu le prix, mais nous avons dit que nous honorons le fait que nous recevons le prix, nous prenons recevoir le prix Mathieu Dacosta. C'est tout un honneur pour l'équipe de Samedi Midi Inter, pour la famille, pour les amis, monde qui remet nous. Et prix ça, nous prenons le prendre au nom de tout le monde qui supporte nous. Famille nous d'abord. Nos coéquipiers, parce que l'émission Samedi Midi Inter n'est pas faite pour compte lui. Nous avons des gens que nous attendons dans le micro, mais qui font partie de l'équipe. Nous sommes capables de prendre le cas de Joseph Jean-Gilles, Kéder Hippolyte, Yves Basile, MC Pierre Poudré. Nous connaissons que Gagnon, il y a un paquet de l'autre, et Jean-Claude Charles qui est avec nous là, Maud Saintus et Latrier. Et non pas oublier non plus notre premier metteur en onde, c'est Marc Datus. Même le nom pas Well, mais Lila. Et il y a une radio qui travaille depuis 88 sans interruption. Hein? Côté que nous allons célébrer 28 ans, nous. Son travail de passion que lié. Et nous mettons au service de la communauté. Et nous, quoi que ça nous fait, il n'y a pas si mal que ça. Non pas dire c'est pas si mal que ça. Mais Abdi Raymond Laurent, ça le fait, c'est extraordinaire et nous vraiment apprécions ça. Pour terminer avec entrevue, non, Raymond, qui message vous avez aimé vous et jeunes dans la communauté qui a suivi vous, qu'on y a même? Bon, et ça nous capable de dire, c'est à l'école, choisir un métier, pas faire ça que pas bon, parce que le nous fait, les réagissons nous tous comme communauté. Nous sommes minorité. N'a toujours été une minorité, mais faut que nous disions que il y a un pile jeune dans la communauté qui fait bon bagay. Nous avons un pile professionnel dans la communauté. Et journée jeudi, nous sommes capables de progrès que Haïtiens ont fait dans le Canada. Et ce n'est pas seulement dans le Canada. Et les États-Unis, la France. Et là, nous songeons, il fut un temps, les palais de Haïtiens qui étaient dans Montréal-Nord, c'est des gangs. Et c'est des petits voleurs. Et dans Saint-Michel, c'était la même chose. Eh bien, Saint-Michel, Montréal-Nord, n'a plus le visage que nous dégagnons il y a quelques années. Alors, on nous mettait tête nous ensemble. On nous unit nous pour nous faire des bagailles qui sont bon. On cesse la division. Mais le dialogue, c'est toujours bon. C'est ça, nous toujours prêché. C'est pas tout le monde qui remet les noms de vérité. Mais nous gagnons un petit serment ici, nous jurer pour nous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, même le la vie nous, avec tout ça nous posséder en danger.
Alors, c'est sous mot ça. N'a pas quitté au cher internaute, nos jurés, pour nous dire la vérité, toute la vérité, nous même botnayisien.com, même le, la vie nous, avec tout ça nous gagnons, possédé en danger. Alors, merci beaucoup. C'était Raymond Laurent, nous obtenons le 12 novembre et le 22 octobre, nous avons une communauté en déplacé, vine encourager également. Raymond Laurent pour dire que nous avons, et surtout le 12, sans manquer le 22, pas manquer le 12 novembre, au 70 Grande Prairie, 6010 Grande Prairie. Merci.